Bonjour chers compatriotes, je suis Albert Kokolomami. Je viens dire quelque chose au sujet de certains propos qui ont été tenus et qui continuent à se tenir par certains compatriotes membres de l'UDPS. Alors, je me suis toujours opposé à ceux qui disent aux jeunes qu'ils doivent écouter les conseils des vieux pour une raison simple. Même les idiots vieillissent. Prenons l'exemple de l'UDPS qui est l'actuel plus vieux parti politique de notre pays. Mais a-t-il des leçons à donner même à un parti politique à naître? Je ne crois pas que l'UDPS ait des leçons à donner, même à un parti politique comme Kabila désire. Jacques Vergès a écrit un livre qu'il a intitulé « Que mes guerres étaient belles ». Connaissant la vie de l'avocat et de l'homme derrière l'auteur, l'intitulé de ce livre dit tout de son contenu. Et si Étienne Tshisekedi, dont le combat politique s'apparente un peu aux nombreuses guerres de Vergès, pouvait revenir en vie, il écrirait un tel livre avec comme intitulé « Que ma guerre était inutile ». Oui, que ma guerre contre Kabila était inutile, que mon combat pour la démocratie était inutile. Oui, je dis bien inutile. Ces héritiers l'ont prouvé non seulement par les paroles, mais aussi par les actes. Ils ont d'abord remplacé le slogan « Le peuple d'abord » par « Fati béton ». Ce qui fait qu'aujourd'hui, au lieu de s'attaquer à la souffrance du peuple, au lieu de lutter pour l'amélioration du social du peuple, ils déploient toutes leurs forces pour s'attaquer aux gens qui osent critiquer Fatih. Et pourtant, il est clairement visible que sa gestion de la République est chaotique. Yatichi dirait de sa guerre qu'elle était inutile parce que sur Radio Vatican, son fils biologique a dit que Kabila n'était pas un mauvais dirigeant, qu'il l'a compris en accédant au pouvoir. Implicitement, il dit que son père biologique et père idéologique de tous les indignés de la République n'a jamais eu raison de le combattre et que l'UDPS n'a jamais eu raison d'exister au temps de Kabila. Ce qui revient à dire que Tshibala ou Badi Banga n'ont pas eu tort d'accepter de travailler avec Kabila. Curieusement, ils ont été exposés au mépris, voire au lynchage par les militants de l'UDPS. Et il n'y a pas que le président de la République. J'ai vu Kabouya devant une foule immense chanter « Kabila Zali sérieux, Kabila Zali sérieux ». Et comme à l'UDPS, personne ne respecte personne, pendant que les dirigeants sont en train de faire leur repentance, les militants sont comme des moutons de panurge en train d'insulter, telle une bande de barbares. Yatichi dirait de sa guerre qu'elle était inutile parce qu'il est insensé qu'un parti politique qui a longtemps milité pour la démocratie accède finalement au pouvoir pour s'attaquer à ceux qui pratiquent la démocratie. Quoi de plus normal dans un régime démocratique que d'user de voies légales pour essayer de destituer un président que l'on estime violer la Constitution? Je rappelle qu'en 2011, après les élections de 2011, il y a une interview de président Fatih qui circule sur les réseaux sociaux. Il disait que le pouvoir de Kabila était illégitime et qu'il lui souhaitait même un coup d'État. Aujourd'hui, il est au pouvoir. Ses opposants se montrent beaucoup plus civilisés en usant de voies légales. Je ne trouve aucune raison que l'on s'attaque à ces nobles citoyens, d'autant plus que ce n'est même pas eux qui ont le dernier mot. Chers compatriotes, la culture de la démocratie nous exige des débats constructifs tenus par des gens qui ont un sens élevé de patriotisme et qui savent que les acquis de la démocratie et les valeurs nationales sont au-dessus de toute atteinte. Mais aujourd'hui, l'UDPS est en train de nous ramener dans le débat de rue. Des émissions comme « Dialogue entre Congolais » et autres ont perdu leur valeur parce qu'on leur a trouvé des substituts, des émissions comme Yeba TV. J'ai l'impression que bientôt on verra chaque dimanche chez Mamie Lela des porte-paroles comme Sankara de Kunta ou Moussaka passer nous donner les nouvelles de l'UDPS. Des débatteurs comme Valentin Moubaké, Jacquemin Chaban et autres ont cédé leur place à des atalaks ou à des hommes insensés sans culture. J'aime beaucoup Marc Bonan, et surtout quand il parle de l'éloquence du silence. À propos de la prise de parole, écoutez ce qu'il dit. Je suis frappé du fait qu'on accorde à tout le monde la parole. Je le trouve légalement juste et je suis constitutionnellement heureux. Mais j'aimerais que les hommes à qui on accorde la parole la tempèrent. Qu'ils tempèrent ce droit par le bon goût, c'est-à-dire savoir s'en abstenir. Fin de citation. Que dire de plus à ce sujet si ce n'est féliciter Joseph Kabila? Aujourd'hui, parce que l'UDPS a accordé la parole aux gens qui ne savent rien ni de l'opportunité d'une parole, ni des conséquences d'une parole ratée, notre pays est au bord de l'effondrement. Et c'est regrettable que cette façon de prendre la parole sans réfléchir se vive même dans le chef de haut cadre du parti. Prenons l'exemple du conseiller du président qui va dire qu'il vient d'une université où on ne vend pas de diplôme.
ou de Kabound qui va dire que l'UDPS est au pouvoir jusqu'au retour de Jésus. Mais soyons sérieux, 2023 c'est d'ici quelques matins et Fati ne va même pas avoir 10% à l'élection présidentielle. Et d'ailleurs je le vois faire comme Hollande, il ne va pas postuler. Lorsque l'UDPS dit que Fati doit prolonger son mandat parce que Kabila l'a fait, mais il faut qu'on arrête de profaner Étienne Tshisekedi jusqu'à ce point. Chers compatriotes membres de l'UDPS, vous êtes en guerre contre l'UNC du coach Zidane, celui qui vous a conduit à la victoire. Vous êtes en guerre contre le FCC. Pourtant, Kabound vous a dit, Soki Bolingi Fatia signe sa mandat, il faut respecter le FCC. Vous êtes en guerre contre la Mouka, vous êtes en guerre contre la société civile. Mais avouez que votre principale ambition est d'instaurer une dictature avec l'UDPS comme parti unique. Et d'ailleurs, nous vous savons capables. La culture de l'insulte facile, de la vindicte, de la barbarie, la voyoucratie, ou mieux cette espèce de Far West que vous êtes en train de mettre en place ne ressemble pas. L'essence de la démocratie, selon Jean-Luc Mélenchon, c'est d'entendre des gens dire des choses qui vous déplaisent parce qu'ils ne sont pas de votre avis. Il ne faut pas vous attaquer à vos compatriotes qui osent critiquer Fati. Ce n'est pas digne d'un parti qui a de liens idéologiques avec Étienne Tshisekedi. Monsieur le procureur, monsieur le ministre de médias, monsieur le président du CESAC, Facebook a déjà fait sa part en neutralisant Denise Mukendi, sa bande spécialiste de fake news. Qu'attendez-vous pour vous mettre à la chasse de médias et de pseudo-journalistes qui diffusent des fumées stimulatrices de haine et de tribalisme? Comment pouvez-vous justifier l'existence d'une émission ou d'une chaîne comme Yeba TV, dont les spécialités sont les insultes, la diffusion de propos incendiaires et les enquêtes sur les origines de Congolais? Yeba TV a traité celui que l'UDPS a surnommé le coach Zidane, le faiseur de roi. Il l'a traité de Burundais indigne. Yeba TV dit détenir des preuves sur les origines sénégalaises de Martin Fayoulou. Yeba TV insulte Jeannie Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, et toutes les autorités de ce pays qui ne sont pas de l'UDPS. N'est-il pas temps qu'on arrête ce genre? J'ai suivi dernièrement une vidéo d'un militant de l'UDPS qui dit que Martin Fayoulou ne comprend pas la constitution congolaise parce qu'il a passé trop de temps au Cameroun. Mais ce quelle bassesse c'est ça? Lorsque Martin Fayoulou et beaucoup de gens que l'UDPS a marginalisés dînaient avec Étienne Tshisekedi et que ces derniers leur apprenaient le combat politique, beaucoup de cadres actuels de l'UDPS n'avaient rien à dire. Lorsque Tshisekedi et ses généraux dont Martin Fayoulou descendaient sur le terrain dans le combat pour l'alternance, de gens comme Kabuya n'avaient même pas le niveau de ramasseur de ballon. Ils étaient comme Bafano Babette Ambounda dans la tribune. Aujourd'hui, Tshisekedi est décédé, les gens commencent à raconter n'importe quoi. Il faut qu'on arrête. Je préfère m'arrêter là en invitant nos compatriotes à modérer leurs paroles. Ce n'est pas la haine qui pousse les gens à critiquer Fati. C'est la démocratie et surtout l'envie de voir notre pays aller de l'avant. Si tout le monde doit devenir partisan, si tout le monde doit caresser Fati dans le sens du poil, mais la démocratie perd son sens. Je regrette beaucoup que l'UDPS ait succédé à Joseph Kabila sans hériter de sa gestion de la parole. Chers compatriotes membres de l'UDPS, je termine par là en faisant mienne cette parole de Marc Bonan. Il dit « Ce que retiennent les lèvres est à la fois une pudeur, mais souvent plus sonore que ce que les lèvres prononcent. » Merci beaucoup. Je suis votre compatriote congolais et je rêve d'un Congo uni comme le Zaïre de CCC Kokukumbendu Azabanga. Vous pouvez imaginer l'UDPS se trouver dans un conglomérat appelé AMP soutenant Joseph Kabila. Vous pouvez l'imaginer. Il faut nous expliquer, on veut savoir. Oui. Enfin, mais non, il faut demander des explications à ceux qui dirigent cette UDPS et qui se trouvaient dans la famille politique de M. Kabila. Alors, quand on dit. C'est pour ça que je dis l'UDPS, telle qu'elle a été créée, c'est un parti politique dont le but était d'instaurer un état de droit et de démocratie. Et tant que cet objectif n'est pas atteint, nous ne pouvons pas nous retrouver du côté du pouvoir ou soutenant un pouvoir qui d'ailleurs lutte contre les libertés, lutte contre cet état de droit et de démocratie. Or, on a vu une UDPS dans ce camp-là, donc c'est clair que c'est une UDPS du pouvoir. Excellence, Monsieur le Président Joseph Kabila Kabange. Je sais que pour beaucoup d'entre nous, c'est difficile à accepter, mais je le dis avec sincérité, je rends hommage au président Joseph Kabila, président de la République. C'est un tricheur, c'est quelqu'un qui s'est imposé
contre la volonté de la population, sa place n'est pas là, c'est un imposteur. Sa place est soit en prison. Nous rendons hommage à celui qui aura été l'un des acteurs de la matérialisation de l'alternance démocratique et pacifique. Monsieur le Président Joseph Kabila Kabange. Ces hommes de Dieu, sur la sincérité de Kabila. Oui, mais nous doutons tous sur la sincérité de Kabila. Qui croit? Parce que si nous sommes déjà dans cette situation, c'est parce qu'il n'a pas été sincère. On a parlé ici de l'argent destiné aux élections qui a été détourné. Quand est-ce que lui, qui a pourtant un conseiller en matière de corruption ou je ne sais pas quoi, quand est-ce qu'il a intenté une action contre un seul de ces individus qui ont détourné cet argent? Donc il est, si pas complice, en tout cas, co-responsable de cette situation. Donc... Je vous invite à le soutenir massivement, comme vous m'avez accompagné et soutenu tout au long des 18 dernières années. Quand vous négociez, vous saviez tout ça, vous savez. La Cour constitutionnelle. Oui, la Cour constitutionnelle ne pouvait pas contenir que des juges nommés par Joseph Kabila. Non, mais la Cour constitutionnelle, c'est 9 juges, 3 oui, du mais on sait comment ils sont arrivés. Il n'est pas question pour nous de faire une prime à celui qui en est l'auteur, c'est-à-dire Joseph Kabila. Donc... Je sais que pour beaucoup d'entre nous, c'est difficile à accepter, mais je le dis avec sincérité, je rends hommage au président Joseph Kabila, président de la République. Bon, ce qui déjà tout comme il a mouga ou fraude et comme aider, c'est que faut tout bander la Kozala. Tout bander la Kozala. Parce que surtout comme on commise à fraude, tout comme aider, tout comme on commise à, c'est que faut tout bander la Kozala. N'évitez, n'a bouti au loba si quoi. Yo yebi na yo goza mo yibi na kati na yo. Bon, les réseaux zela baduba peso respect na yo mo yibi. Qu'est-ce qui ne marche pas? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Transparent. So lobi boye o trahir mutute. Je pense que mutuni no yo va voter la tricherie puis aux hommes landa ko na yo le mori service aux hommes mal on a fufu aux hommes sepela. Yo mo yibi ke na komi awa na tricherie. Oui, il y a un moment où il y a des tricheurs pour aux Alawana.